Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. On se retrouve aujourd'hui. Ah, on a quelqu'un avec nous. Qui êtes-vous, monsieur? Que faites-vous là? Salut, salut Olivier. Salut, Merci de ton salut. accueil Ah déjà pour bah, je t'en commencer. prie. Je suis Florent de Giudini Jodini. Édition. Ouais. Giudini, Jodini. une jeune maison d'édition. Enfin, on a quand même 2 ans avec un premier jeu qui est sorti en novembre 2023 qui s'appelle Sawari, distribué par Mad Distribution. Tout à fait. Et c'est quoi un peu l'histoire de ta maison d'édition? Alors, l'histoire de la maison d'édition, bah depuis pas mal d'années, en fait, depuis même mes jeunes années, j'ai toujours été passionné par la création, que ce soit de jeux de société, jeux de rôle. Depuis l'âge de 11 ans, hein, je suis tombé dans les livres dont vous êtes le héros, toutes ces Voilà. choses-là. J'ai eu un gros passage les livres dont vous êtes le héros, le jeu de rôle aussi, essentiellement. Bah, je pense que ça doit parler à la plupart. Ouais, ça dans les souvenirs. Des belles jeunes années dans ce domaine-là. Et puis les années passent, j'ai passé pas mal de temps dans le milieu de l'industrie avant d'arriver jusqu'en 2013, où je suis parti sur le secteur lyonnais pour une reconversion professionnelle dans le monde du jeu, en fait, essentiellement. Enfin, j'ai passé une formation diplômante de ludothécaire, enfin, j'ai fait pas mal de choses sur le secteur lyonnais, que ce soit festival, animation, association, enfin, énormément de choses, jusqu'à ce que je revienne ici en 2019, fin 2018, début 2019, où je suis parti sur l'événementiel. Il y a le Covid qui est passé par là. Ouais. Donc ça a été très compliqué pour tout ce qui touchait l'événementiel. Et à partir de là, bah, on se pose une question quand on prend de l'âge, hein, parce que bah, forcément les années Ouais. passent et la question c'était qu'est-ce que vraiment j'ai envie de faire? Voilà. Et bah, l'idée c'était justement de se lancer dans l'édition, quoi. Voilà. De porter Génial. des projets d'autres auteurs, parce que là, à l'heure actuelle, c'est pas des jeux qu'on crée, enfin, ce sont pas des jeux personnels, parce que j'ai fait aussi de la création de jeux, évidemment, comme je disais tout à l'heure, mais de porter surtout les projets qu'on pense intéressants, les projets de certains auteurs, et les pousser au D'accord. maximum. Et la boutique, elle est partenaire de la femme depuis le début de la boutique en 2018. Et tu me disais que tu avais des projets avec certaines personnes, justement? Alors oui, on a des projets. Alors on a pas mal de projets en cours, dont un avec Jean-David de la Fabrique des auteurs marseillais, un projet qui est pas mal avancé, où on va être sur un système de jeu, une structure de jeu de 54 cartes avec des mécaniques différentes. Voilà, avec tout un côté thématique derrière, avec différentes thématiques. Voilà, c'est du petit jeu de cartes, mais riche, riche en contenu, on va dire. Ouais, Voilà. Jean-David, il aime bien les jeux de cartes, les microgames et tout C'est ça. ça. C'est un peu son fond de C'est commerce ça. aussi. Eh ben, j'espère qu'on fera une future vidéo avec les projets de Jean-David et d'autres petits protégés de ta boîte. Alors, on a Sawari, justement, comme je disais, qui est le premier sorti. On a un autre qui est prévu normalement. Alors, si tout va bien, enfin, on l'a repoussé un peu Ouais. pour travailler au mieux sur le projet, Ouais. qui serait prévu début 2025, qui s'appelle Irkala. Anciennement SOS, on l'avait déjà présenté sur des Ouais. festivals. Et c'est un jeu un peu en huis clos, avec un côté survie, avec une bande-son de 10 minutes. C'est un jeu en Ah, c'est chouette. coopératif où on va explorer différents secteurs, c'est sous forme de cartes. On va avoir des personnages asymétriques qui vont se déplacer sur les différents secteurs, récupérer du matériel, tomber sur des créatures, trouver des survivants, etc. Avec une bande-son assez poussée, quoi, assez immersive. D'accord. Et l'objectif, ça va être de sortir de celui-là, généralement en 10 minutes. Après, il y a des variables qui permettent des fois de rajouter du temps, etc. Il y a un mode coopératif, mais il y a aussi un mode traître, parce qu'on peut se retrouver dans le même univers, Ah, les gens aiment mais bien ça. avec des traîtres. Ouais. C'est Voilà. innovant comme jeu, ça c'est bien. Et en fait, la bande son, ça a été fait aussi par l'auteur du jeu? Non, la bande son, non, n'a pas été faite par l'auteur. Alors, on travaille sur l'appli, la web app, on travaille dessus avec l'auteur. Par contre, la bande son, on travaille avec quelqu'un dont c'est le métier, quoi, un sound designer. D'accord. Voilà, tout à fait. Ouais, l'idée intéressante. Et c'est l'auteur qui est venu vers toi ou c'est toi qui as dit tiens, ça a l'air pas mal ou comment ça s'est passé ce L'auteur, jeu-là? pour ce jeu-là, en fait, on l'avait aperçu à Cannes pendant le off de Cannes. À l'époque, c'était encore accessible, parce que Ouais. maintenant, c'est devenu compliqué, Ouais. avec tous ces déménagements. Enfin, Ouais. c'est assez bruyant. Donc, c'est vrai que je pense que
Enfin, moi personnellement, maintenant je fuis un peu l'offre. Enfin, Faut que tu comme ailles à ça. Vichy, c'est bien aussi. Voilà, Vichy, Bah oui, oui, c'est peut-être mieux. Ben oui, on a fait des belles rencontres à Vichy avec bah, de les. toute façon, j'ai vu un membre de ton équipe à Vichy d'ailleurs. Et donc on est tombé par hasard sur l'auteur, sur le off, quoi. Il était juste à l'entrée de la salle, puis Ouais. on a vu les gens qui jouaient à ce jeu de cartes assez dynamique, assez rythmé, etc. On dit, ah, il y a Ça, peut-être un truc à faire. ouais, bon. Alors le jeu a beaucoup évolué depuis, il a quand même pas mal évolué, mais la mécanique nous semblait sympa. Ces Okay. parties courtes et sous pression, Ah, ça c'est assez bien, ouais, de plaisantes. la tension et tout ça. Et le projet, tu disais, enfin, je sais plus si tu l'as dit, il y a combien de temps ça a commencé entre la rencontre et le début de Sur lequel? Sur Sawari ou sur. sur le jeu avec la bande son? Alors, C'était la cette année? rencontre, c'est par. Non, non, même pas, parce que c'était au moment où on a lancé la société, en fait, la maison D'accord, ouais, d'édition. ça un Donc, projet qui c'était dure en longtemps. avril 2022. Ouais. Et on était sur un autre projet à la base qui s'appelait Flip Circus, justement, qui a été édité par Yellow. Salut Crazy Ludy Marie. Excuse-moi, des fois je te couperai s'il y a Ouais, des gens. c'est. Salut Nico. Salut Si vous à avez des tous! questions pour l'éditeur, n'hésitez pas, hein, sur les différents projets, sur les jeux qu'on va présenter. Ouais, je t'en prie. Donc, je disais, au début, on a lancé la maison d'édition par rapport à un premier jeu qui s'appelait Flip Circus, qui est sorti récemment chez Yellow, Ah oui, Flip Circus, dont finalement l'auteur a décidé de travailler ouais. Ça fait avec quelques temps. Yellow. Et dans la foulée, on a enchaîné sur deux autres contrats, c'est-à-dire Sawari, qui à la base s'appelait Sense, et SOS, qui s'appelle maintenant Irkalla, voilà, le D'accord. jeu dont Et j'avais te pourquoi parlé le tout à l'heure changement de sur. nom pour Sawari, du coup? Alors, c'est plus pour des questions de protection du nom après, D'accord. et il faut savoir aussi que nous on travaille beaucoup. Alors, c'est le côté rôliste, hein, je pense, qui fait Ouais. ça. Parce que, alors, ce que j'ai pas précisé, c'est que on est deux dans la structure. J'ai mon Ouais. associé aussi, Fabien, qui est aussi très rôliste. Voilà, qui aime bien c'est les jeux, que ce soit du jeu de figurines ou du jeu de rôle, etc. Et notre souhait, c'est vraiment de pousser les univers de chaque jeu, de façon même à faire des déclinaisons vers d'autres supports, que ce soit du roman, de la BD, du jeu de rôle, etc. Par exemple, là, dans le cadre de Sawari, bah là, c'est un jeu qui est quand même assez, on va dire, stratégique. L'idée, c'est, enfin, on a un développement de l'univers qui fait qu'on envisage de faire un jeu de rôle dans cet univers-là. Et Génial. bah, Irkalla, qui est Irkalla, donc le jeu de cartes dont je te parlais, qui Ouais. se passe à la base dans un univers un peu alien, lui va se dérouler dans l'univers de Sawari aussi. Voilà. C'est intéressant du Voilà. coup. Dans un lieu différent, etc. Mais on essaie de faire un lien entre les différents supports, Bah, ça, voilà, c'est dans une le super idée. projet. Hein. En plus, il y a une grosse demande sur les jeux narratifs, notamment en ce moment. Donc, s'il est rôliste, c'est Ouais. ton partenaire Fabien. Fabien, oui, tout à fait. Fabien, à mon avis, il y a des choses à exploiter. Donc, ça, Ouais. c'est cool. Mais il y a plein de choses qui donnent envie à ce qu'on refasse des vidéos ensemble, du coup, là. Ah Tu ben oui, il va y en avoir as plein de quelques-unes, ouais. projets Ouais, super. c'est ça, c'est ça. Bon, j'ai Bon, pas parlé ok. de tous les projets, mais bon, après, on a Ouais, un bah, ça autre fait gros plaisir. projet qui est en cours de développement Ouais. dans un univers très viking aussi, voilà, où il y a pas mal de supports aussi qui sont prévus dans cet univers-là. Ouais, c'est que des univers qui sont intéressants ou des concepts qui donnent envie, quoi. Bah, c'est chouette, ça prouve que voilà, t'es passionné, que t'as envie vraiment de vivre de ça, et c'est vachement bien, quoi. Ouais, alors Je pense vivre que de t'as ça, ta c'est place. pas gagné encore, Ouais, c'est c'est dur, pas c'est pas gagné évident. parce que voilà, il On faut reste un quand peu même à un timide. moment, voilà. Bah après, il faut arriver à avoir le bon jeu, à tirer son épingle du jeu, puis le marché, il est tellement saturé à l'heure Ouais, il y a actuelle, hein, beaucoup tu le de vois, jeux. Bah toi, oui, ouais, tu l'as c'est vu sur mes étagères. c'est ça, N'y a plus de c'est place. ça, c'est ça. Alors attends, Voilà. juste je profite que me dit Marie, rôliste, mais les premiers jeux sortis sont du plateau. Pourquoi ne pas avoir sorti un JDR au départ? Petite question de Ludy Marie. Pourquoi? Peut-être que je pense que je dirais que j'ai peut-être trouvé ça plus simple de sortir un jeu de plateau par rapport à l'entourage ou même les personnes qui avaient autour, enfin dans le milieu de l'édition pour me conseiller, Ouais. voilà, sur le développement, sur tout ce qui est fabrication, parce qu'en fait, ben, créer un jeu de plateau, c'est pas si simple que ça. Il y a beaucoup de choses à connaître, beaucoup de sujets à maîtriser. C'est du multicasquette, c'est de la gestion de projet, c'est voilà. Et que dans l'immédiat, l'idée, c'était vraiment de partir sur quelque chose de plus accessible, puisque le jeu de plateau est plus accessible, enfin, ces dernières années, ça a tendance à changer, mais c'est plus facile de poser un jeu de plateau sur une table que de poser un jeu de rôle
Voilà. C'est un plus gros Voilà. marché aussi, c'est vrai que jeu de rôle, ça reste une niche dans la niche qu'il y a au sein, Ouais, quoi. c'est ça. C'est Mais du ça, coup, c'est ouais, ça. c'est comme tu disais, c'est le point de départ en fait d'un univers qui va être développé, ça peut être chouette, hein. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, on fait une fois par mois, on fait une soirée jeu de rôle. Si un jour tu veux animer, je sais pas si toi tu es Oui, MJ, pas bien. trop souvent. Ouais. Trop souvent. Peut-être qu'on te retrouvera en MJ un vendredi soir, hein, pour animer cet univers. Avec plaisir. Mais c'est vrai, Carrément. quand le concept de développement d'un univers, ça se fait de plus en plus, c'est intéressant, quoi. C'est vrai que ça donne du corps, ça donne envie de découvrir toute la gamme. Ça peut être vraiment, c'est une belle option, quoi. Voilà, prochaine étape, Netflix. Ah bah pourquoi pas, bah, t'as vu, il y a Tales from the Loop qui a eu sa série, C'est ça, ouais. Stranger Things, ça a beaucoup hypé les gens sur le jeu de rôle. Ouais, maintenant on est très sur le cross-canal, de toute façon, donc bah, je te le souhaite, hein. Ça Ben, serait super. on verra. On verra bien. Ok, du coup, est-ce que tu as d'autres choses à dire sur la société? Bon, tu as vu, de temps en temps, je te couperai si jamais il y a des questions sur le chat ou quoi, hein. Mais est-ce qu'on est, on est au point sur tout ce que tu voulais présenter? Ouais. Oui, de manière générale, ouais, je Ouais. En pense. tout cas, ton parcours est intéressant, donc Ouais, je l'ai, et ça c'est encore, cool. je l'ai survolé. Non, c'est vrai que nous, on s'était rencontrés en 2018, du coup, avant le Covid. Alors oui, quand je suis 2000, c'était même 2019, je crois. Juste avant C'était que. ouais, juste avant le Covid, que j'avais lancé un Oui, festival c'est ça. C'était du sur côté de Vitrolles Vitry? avec une association. Non, c'était à C'était Vitrolles. à Vitrolles. C'était à Vitrolles. Oui, justement, ta Ouais, boutique avait été c'était. partenaire sur Ouais, c'est l'événement. ça. Ouais, Tout à donc fait. oui, effectivement, ça fait un certain Ouais. temps. Et d'ailleurs, le festival continue à vivre, lui, Ouais. en autant, enfin, l'association avec qui, enfin, pour laquelle j'avais lancé ce festival continue à gérer cet événement sur Bon, Vitrolles. c'est cool. Voilà. Ça continuera après nous, les C'est choses. ça. En tout cas, nous deux, on Ben, est c'est toujours bon. là. C'est Ouais, cool. c'est ça. Donc, c'est chouette. C'est ça. Bon, ben, on va attaquer sur la présentation de Sawari. Ouais. En tout cas, si tu veux bien. Eh ben, Sawari, donc, c'est un univers post-apocalyptique. Ça se passe, alors là, je ne vais pas trop spoiler sur le pourquoi du comment, mais on va dire dans les grandes lignes qu'il y a eu un grand cataclysme il y a plus de 500 ans avant, où la quasi-totalité de la population a été éradiquée. On se Ouais. retrouve dans sur une terre, je suppose que c'est la Terre, Ah oui, qui a tout à été en quelque sorte terraformée, qui se retrouve fait. vraiment quasiment enfin, recouverte d'étendues de sable, quoi. Ouais. C'est-à-dire que c'est même très compliqué, voire impossible de trouver un point d'eau ou quoi que ce soit. Et on se retrouve dans cet univers qui se reconstruit au fur et à mesure, où on a une ville principale, qui est la cité de Xaros, qu'on voit sur la boîte du jeu, qui est une cité constitué de castes dans différentes catégories de métiers, que ce soit dans l'exploration, le commerce, etc. Enfin, il y a vraiment plein de thématiques différentes. Okay. Et dans le jeu Sawari, on va incarner différents types de personnages, différents marchands, dont l'objectif va être de devenir le prochain grand maître de la guilde marchande. Guilde marchande qui est gardée, qui est gérée de main de maître par Zarek. C'est le personnage qu'on voit. Alors, je ne sais pas si on voit là, sur Ah, la. on le voit Sur, bien. voilà. Voilà. Il a pas l'air sympa, Bah pourquoi? hein. Ah bon? Oh, il a l'air si mignon. Ça me fait penser à Jafar, j'aime bien Jafar. Donc toi, savoir, c'est à côté plutôt, t'es plutôt au côté obscur en fait, c'est ça? Non, 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 c'est fond de côté obscur, juste quand il fait, faut pas en abuser. Juste au Voilà. bon Mais oui, Star Wars, oui, je pourrais en parler aussi. J'ai fait hors sujet, hein, mais j'ai moment. fait tellement jouer souvent, c'est ce qu'on me demande le plus souvent en jeu de rôle, Ah justement, ouais. c'est du Star Wars, Star Wars, Ok. Star Wars. De toute façon, on est passionné, C'est hein, on parle entre passionnés, donc on peut basculer sur d'autres univers, il n'y a pas de souci. voilà. Ok. Donc, dans Sawari, comme je disais, on incarne différents types de personnages. Ouais. Bon, je ne les ai pas tous sortis, mais en fait, ce sont différents chefs de clan. Qui sont des personnages symétriques. On va avoir un marchand, on va avoir un diplomate, on va avoir un explorateur, on va avoir un trafiquant, enfin vraiment, et voilà, il y a Je vais plusieurs types monter un de petit peu personnages. l'axe sur la caméra là. Voilà. L'illustrateur, c'est Oh, c'est un petit, c'est Miguel Coimbra. Miguel. Ah, il me Ouais. dit quelque chose, Ben, il Miguel. a fait Seven Wonders, entre Ouais, autres, Miguel Coimbra, Cyclades il est super. dernièrement. Voilà. Alors, il y a d'autres personnages dans la boîte, mais je crois que C'est non. un super. Tu vois, je vais faire un top 10 illustrateurs, peut-être qu'il y sera. Si tu veux. Hein. Ouais, on montre d'autres personnages.
Et comment tu as réussi à avoir Miguel Coimbra quand même? Oh bah, sous la menace, évidemment, quoi. T'avais des dossiers, t'avais des c'est photos? ça, oui, des photos. Parce que Je c'est fort quand repartagerai. même de l'avoir. Non, c'est. Non, bah, après un moment, il suffit juste de prendre contact et tu vois si la personne est intéressée par le projet et tout ça. Ça a été le cas de Miguel. Enfin, le projet l'a intéressé. Enfin, Ouais. ça s'est relativement bien passé. Il travaillait en parallèle, justement, parce que je parlais de Cyclades, la V2 de Cyclades. Je sais pas si tu as vu passer des Oui, oui, illustrations oui. aussi qui sont Ouais. magnifiques. Un Cyclade. Voilà, alors donc dans Sawari, notre but ça va être de marquer un maximum de points d'influence de façon à devenir le prochain grand maître de la guilde marchande, qui se trouve dans la tuile centrale ici, la cité de Xaros, donc la fameuse cité qu'on retrouve sur le visuel de la boîte. Ces points d'influence, on va les retrouver sous différents éléments du jeu. On va avoir une piste recrue où quand on va récupérer donc différentes ressources qu'on a dans le jeu, par exemple quand on va récupérer les pions recrues. Je ne sais pas si on voit bien le plateau là. Ouais, là c'est bon, ouais, nickel. Parfait. T'es Donc, justement sur on les va bons. avoir la piste recrue. Ça va être en fin de partie le chiffre le plus bas visible qui va représenter nos points d'influence. Donc là, on aurait un point. On a une piste de stockage ici. Et pareil, même chose, ça va être en fin de partie le chiffre le plus bas visible. Donc là, ça serait 2 points. J'aurais 2 et 1, 3 points. On a différents éléments de jeu, comme les jetons qu'on voit. C'est les jetons de couleur jaune et de couleur bleue qui sont OK. réversibles et sous lesquels on a différents effets de jeu, des petits bonus qu'on va pouvoir utiliser en jeu, mais aussi des points de victoire supplémentaires qu'on va retrouver sous ce symbole-là en bleu. Voilà. Peux les montrer. Voire même Ouais. des points négatifs en rouge qu'on va éviter forcément de collecter. D'accord. On va avoir des cartes qu'on va venir connecter. Il y a un système de connexion, donc des cartes qu'on va venir connecter à notre personnage. On va créer des petites cases artefacts, on l'appelle. Et ces cases-là, on va pouvoir les activer par la suite avec les cubes artefacts, ce sont ces petits cubes noirs, donc, qui vont permettre d'activer les effets adjacents. Et sur ces cartes-là, on a des points qui varient de 1 à 3 points, sachant que 3 points, c'est assez fort, quoi. En fait, en fin de partie, ça sera comptabilisé à partir du moment où c'est activé. Chaque personnage est asymétrique, c'est-à-dire qu'en bas, on a un petit cartouche avec une façon de scorer supplémentaire. C'est-à-dire que là, le marchand, donc les symboles des coffres représentent ces cubes artefacts. Ça veut dire que en fin de partie, par paire de cubes que je vais avoir sur ma zone de jeu, je vais marquer un point. Un personnage comme le diplomate, lui, ça va être par paire de cartes qu'il va avoir connectées à la fin de la partie, il va marquer un point supplémentaire. On a par exemple, on a un personnage, ben l'explorateur, pour reprendre celui-là, qui lui n'a pas de façon de scorer supplémentaire. Par contre, il a un avantage sur le déplacement. Le déplacement a une importance capitale justement dans le jeu. Donc le déplacement est très intéressant, mais il n'a pas de façon de scorer de la même manière que les autres joueurs. Et il y a des cartes comme celle-là qui ont un trait continu. Et si à un moment ces cartes elles sont connectées des deux côtés et activées des deux côtés, c'est des façons de scorer supplémentaires. Là, dans ce cas-là, en fait, ça me permet donc par paire de cartes que je vais avoir dans ma zone de jeu de marquer un point supplémentaire. C'est la même compétence que celle du diplomate. Donc tu vas avoir des ribambelles de cartes en fait devant tes personnages, c'est ça? C'est ça. Au fur et à mesure, on va connecter des cartes et on va développer notre clan, quoi. Comment se déroule un tour de jeu? Il y a trois actions principales qu'on va réaliser dans l'ordre. Première action, ça va être de déplacer notre chameau. Okay? Par exemple, admettons D'accord. que je sois le chameau jaune, donc je vais déplacer mon chameau. Deuxième action, ça va être d'obligatoirement collecter une ressource sur la tuile sur laquelle j'arrive. Troisième action, ça va être de déplacer la guilde. La guilde, ce sont les chameaux de couleur rouge. Ils vont avoir leur importance justement sur le fait de gêner les autres joueurs dans leur déplacement, voire de les bloquer, etc. Donc, première action de déplacement, c'est assez simple. Mon chameau, je vais le déplacer dans une seule et unique direction jusqu'à la prochaine tuile sur laquelle il y a une ressource. Donc, je pourrais venir ici. Je pourrais venir ici. Là, par contre, dans ce sens-là, eh bien, je ne vais pas pouvoir parce que la tuile est occupée. Donc, je ne peux pas m'arrêter dessus, tout comme je ne peux pas la traverser. Elle est bloquante. Cas particulier, c'est la tuile guilde. La tuile guilde, c'est une tuile partagée, c'est un lieu commun. Donc, je pourrais, dans mon déplacement, m'arrêter dessus, même s'il y a un autre chameau, tout comme je pourrais traverser jusqu'à la prochaine tuile sur laquelle il y a une ressource. Le chameau vert et violet que tu as mis, ce sont... tu as simulé d'autres joueurs Oui, ou... c'est pour Ouais, l'explication, oui, j'ai mis d'accord. d'autres joueurs. D'ailleurs, je n'ai pas précisé, c'est un jeu qui joue de 1 à 4 joueurs. Ah, t'as mis. C'est pour des parties de 45 minutes à peu près. En effet, il y a un mode solo. Et
Et voilà, oui. On a pas mal de soloistes dans la communauté, donc c'est intéressant. Donc si tu peux parler du mode solo, ça. Bah, le mode solo, c'est plus un côté un peu plus challenge, c'est-à-dire qu'il y a y a une phase, la phase de déplacement de la guilde qu'on ne va pas retrouver dans le mode solo. Il va vraiment y avoir un système où le joueur se déplace, collecte, déclenche certains des effets de jeu. Enfin, j'y suis pas encore venu là sur l'explication, mais et le joueur va déclencher certains effets de jeu. Et après, on va jouer le tour, en fait, parce que dans ce cas-là, on va jouer contre Zarek, c'est-à-dire le maître de la guilde. Et on va jouer avec certaines cartes qu'on appelle l'automa. On va déclencher le déplacement des chameaux, la collecte de certaines ressources, voire même les tentatives de blocage, parce qu'avec l'automa, on va avoir des effets qui vont se déclencher, qui vont permettre de bloquer le chameau du joueur, tout Ok, simplement. donc ça a l'air d'être d'avoir été pensé. C'est le mode solo, on se pose toujours des questions. Est-ce que ça a été fait pour dire bon, on a un mode solo? Là, j'ai l'impression que ça a été travaillé Alors vraiment. oui, ça a été travaillé. En fait, à la base, le jeu donc qui est un jeu de Arnaud, dont je n'ai pas parlé d'ailleurs, honte à moi, On a Arnaud parlé Chablot, d'illustrateur et pas d'or. qui est un jeune auteur suisse, très sympathique d'ailleurs. À la base, avait fait un jeu donc qui s'appelait Sense, donc dans cet univers, etc. Il y avait quelques variations, on va dire, au niveau, enfin, la thématique était un peu différente, même si c'était dans le sable. Et pourquoi je disais Arnaud? Oui, à la base, Arnaud a développé un jeu qui était de 1 à 2 joueurs, c'est-à-dire qu'il y avait un mode 2 joueurs à la base et avait commencé à développer, enfin, le développement bien avancé, mais d'un mode solo. Et après, nous, à partir du moment où on a signé le contrat avec lui, c'est vrai que le travail qu'on a eu, en fait, que ce soit avec la distribution, il nous a été demandé, par rapport à la quantité de matériel qu'il y a dans la boîte, de pousser le jeu plus vers un 3 à 4 joueurs. Donc c'est pour ça qu'on en est arrivé après. Voilà. Mais c'est vrai qu'à la base, c'était un jeu de 2 joueurs et solo. Du coup, on peut dire avec en poussant le jeu vers 3-4, le jeu idéal là, c'est à 2, c'est vraiment son meilleur format, tu penses ou du coup. Non, non, parce que dans le jeu de base, on avait une façon de jouer. Alors jeu de base, oui, il faudrait que j'explique cette variante justement. Dans le jeu de base, à l'origine, on jouait avec 2 chameaux chacun, à 2 joueurs. Je veux dire, à 2 joueurs. C'est-à-dire que par exemple, moi j'avais 2 jaunes et toi 2 verts. Par rapport au retour qu'on a eu de manière générale des joueurs, etc., c'était un peu trop tranquille et pas assez challengeant. Donc comment dire, on s'était engagé auprès de l'auteur de rester sur la version 2 joueurs que lui avait proposé. Il y avait une légère variation avec le mode 3 ou 4 joueurs. En fait, c'est un jeu dans lequel on est beaucoup dans l'interaction et c'était beaucoup plus pacifique, on va dire, sur le mode 2 joueurs. Donc, on est passé récemment, depuis le début de l'année, on propose justement une variante qui accompagne le jeu. En fait, on fournit une variante supplémentaire où il y a ce mode 2 joueurs où on se retrouve maintenant avec un seul chameau et on est plus dans le blocage. Sachant que aussi, c'est un jeu dans lequel il y avait des attaques qui pouvaient casser des stratégies, qui pouvaient être très frustrantes et on a lissé cette mécanique de façon à être plus dans le blocage et dans des attaques moins violentes, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que là maintenant, quand je le présente et comme on le présente depuis le début de l'année sur les festivals, sur les événements, etc., on le présente sous la version de la variante, quoi. C'est bien parce que ton témoignage il est intéressant parce qu'on voit que l'édition, c'est un travail vraiment de collaboration avec l'auteur, l'éditeur. On voit bien le côté tripartite. Et Et du coup, c'est distributeur aussi, intéressant, ouais, et tout à fait. distributeur, de voir un petit peu le rapport entre les gens. C'est pas juste on a un produit, on le présente, c'est vraiment il y a un travail d'équipe qui est effectué. Donc ça, c'est vraiment intéressant, c'est cool. Eh bien, il faut On continuer revient à l'explication. l'explication. Donc, comme je disais, le déplacement, donc toujours dans une seule et unique direction jusqu'à la prochaine tuile sur laquelle j'ai une ressource. Là, la guilde, je peux m'arrêter dessus, même s'il y a quelqu'un, tout comme je peux la traverser. Il faut savoir qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, par exemple là, tout à l'heure, j'ai récupéré un pion recrue sur cette tuile-là. Ben, quand on avance dans le jeu, quand une tuile n'a plus de ressources, on va la retourner immédiatement sur sa phase désert. Okay? On voit justement cette phase désert avec ce liseré gris-noir qu'on a autour. Okay? Il Eh ben, y a ça des va. choses sous ces tuiles ou c'est Alors tout le oui, temps le justement, désert? comme celle-là, Celle-là, je normalement, comprends. voilà, là on a le Ouais, c'est désert et ça. là on a l'oasis. Alors ça va avoir un impact justement sur le déplacement. C'est-à-dire que si à un moment je suis là, ben, ici je ne vais pas pouvoir y aller parce que j'ai un chamois adverse. Si je viens ici, je pourrais venir. Et là, je ne m'arrête pas. Moi, en tant que joueur, je n'ai pas le droit de m'arrêter dans un désert. Sauf cas particulier, on va y revenir.
Mais donc là, je vais traverser, toujours pareil, dans une unique direction jusqu'à la prochaine tuile sur laquelle j'ai une ressource. Donc ça va être celle-là. OK? À savoir que les tuiles oasis, donc les tuiles désert avec un oasis, vont avoir aussi un impact sur le déplacement. C'est-à-dire que si je suis là, ben là, je vais pouvoir venir ici. Là, je ne pourrais pas parce que je suis bloqué. Ici, je peux m'arrêter dessus, même s'il y avait un autre chameau sur la tuile. C'est en fait un effet similaire à celui de la guilde. Tout comme je pourrais, ben là, m'arrêter dessus ou traverser jusqu'à celle-là. Et il y en a combien d'oasis en tout sur les Il y tuiles en a qu'on va quatre. retourner? Il y en a quatre qui sont très importantes au final sur le déplacement, parce qu'au fur et à mesure qu'on va progresser dans le jeu, on va avoir de plus en plus de tuiles sur la phase désert, et ça va devenir de plus en plus compliqué de se déplacer. Voilà. Ça reste un jeu quand même très axé. Alors, il y a un côté abstrait, mais très axé sur la stratégie de déplacement et de blocage des autres joueurs, en parallèle du développement de notre clan, parce qu'on a vraiment cette mécanique de déplacement et la mécanique de développement du clan, d'activation des effets des joueurs, etc. C'est logique par rapport à ce que tu nous disais que le fait à la base c'était un jeu prévu pour 1-2 à 2 et vraiment il y a ce côté c'est souvent prépondérant ce côté blocage abstrait comme tu disais. Du coup on retrouve l'idée. Ouais. Et les tuiles elles sont totalement mises aléatoirement ou tu as une mise en place Alors, spécifique elles sont mises aléatoirement, sauf la tuile centrale, la tuile guilde qui est toujours, voilà, ce Elle qui est reste la voilà. tuile centrale, mais oui, elles sont mises aléatoirement. Donc, comme je disais, première action, ça va être de se déplacer avec les contraintes de déplacement que je viens d'expliquer. Deuxième action, ça va être de collecter une ressource. Dans le jeu, on a trois types de ressources. On a les cubes artefacts. Quand je récupère un cube artefact, je viens immédiatement le mettre soit dans ma zone de stockage, soit je vais m'en servir pour aller le déposer sur des cases de connexion que j'ai créées pour pouvoir bénéficier des effets adjacents. Deuxième type de ressources, ce sont les pions recrues. Quand je récupère un pion recrue, je viens le mettre ici sur ma piste recrue et ça va me permettre, je vais tricher un peu pour l'explication, hop, voilà, ça va me permettre de récupérer, le fait de prendre un pion recrue me permet de récupérer une carte recrue que je vais essayer de connecter de façon à créer justement des petites cases que je pourrais activer, des effets que je pourrais activer. J'aurais pu prendre ma carte et la mettre de ce côté-là, pour partir justement plutôt sur une couleur verte, parce qu'on a trois couleurs, on a le rouge, le vert et le orange, voilà. Qui ont des petites variations d'effets. Il y en a qui vont être peut-être un peu plus sur de l'espionnage, plus sur de l'attaque, plus sur de la récupération de ressources. Voilà. Mais j'aurais pu donc mettre cette carte-là de ce côté-là, mais forcément, c'est plus intéressant pour moi au moment de créer une connexion que je vais pouvoir activer par la suite. Le troisième type de ressources, ce sont les jetons qu'on voit. Les jetons qu'on voit, ce sont les jetons de couleur bleue qui sont réversibles, en fait, ils sont face cachée sur le plateau de jeu et sous lesquels on a différents effets de jeu. Quand je récupère un jeton qu'on voit, je vais regarder ce qu'il y a en dessous et le mettre face cachée dans ma zone de jeu. Je vais pouvoir l'utiliser par la suite, on va y revenir. Donc, et toujours pareil, dès que j'ai récupéré la dernière ressource d'une tuile, immédiatement, je retourne la tuile sur sa face désert. Par exemple, juste là. Comme je disais, il y a un cas de figure particulier où on peut se retrouver dans le désert. C'est-à-dire que là, si j'avais récupéré le pion recrue, j'avais mon chameau dessus, par exemple, eh ben, je vais immédiatement retourner la tuile sur la face désert et je repose mon chameau dessus. Juste pour signifier qu'il était à cet emplacement et qu'il vient de vider la zone, quoi. Donc, première action, se déplacer. Deuxième action, récupérer une ressource. Troisième action obligatoire, on les fait toujours dans l'ordre, ça va être déplacer la guilde. Et la guilde, comme je disais, ce sont les chameaux de couleur rouge. Quand je déplace la guilde, soit je peux faire une action de déplacement à deux chameaux différents, soit deux actions de déplacement à un chameau. C'est-à-dire que là, je pourrais faire un et deux. Ou alors, j'aurais pu faire un et deux. OK? À savoir qu'un chameau guilde, lui, a droit de s'arrêter dans les déserts. C'est-à-dire qu'à un moment, il pourrait faire un et deux. Ou alors, dans son tour, simplement faire un et même deux. Ils n'ont pas le droit d'être sur la même, même tuile et chameau de Alors, guilde. ils peuvent. Alors, pas être sur la même tuile, sauf si c'est justement la tuile guilde ou une tuile oasis. Par contre, eux, entre eux, ils ont un effet saut de chameau. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas bloqués entre eux. Donc, je pourrais faire un. Et deux, c'est-à-dire quand ils sont regroupés, ils vont avancer d'autant plus vite. Ils sont OK? mobiles. Ils sont assez mobiles, tout à fait. Donc, première action, se déplacer. Deuxième action, récupérer une ressource. Troisième action, déplacer la guilde. Pour finir mon tour, je recomplète la zone de recrutement. On est toujours à quatre cartes dans cette zone-là. Et ça vient au joueur suivant. Maintenant, à savoir que pendant mon tour de jeu, je vais pouvoir activer n'importe quel effet que j'ai collecté
enfin, que je vais avoir récupéré. Ces effets-là, je vais pouvoir les activer, que ce soit avant de me déplacer, avant de collecter, avant de déplacer la guilde, voire avant de finir mon tour. Les types d'effets qu'on a à l'heure actuelle, bah, par exemple, ça va être les pions recrues, pas les pions recrues, pardon, les jetons convois. Donc, par exemple, je vais prendre mon jeton, je vais le retourner pour appliquer l'effet. Là, c'est un effet tempête de sable, je ne sais pas si on le voit bien. Ah ouais, on voit bien que c'est la tempête de ça. Voilà. Donc, je vais pouvoir activer cet effet qui va me permettre de déplacer. Alors, je vais rentrer dans le détail de cet effet-là par la suite, mais qui va me permettre de déplacer un chameau n'importe où sur la zone de jeu, que ce soit le mien, celui d'un joueur ou un chameau guild. Donc, j'utilise l'effet et je mets phase visible dans ma zone de jeu. Parce que ça peut être comptabilisé après en fonction des effets de jeu que je récupère. Ça peut être comptabilisé en fait ces jetons qu'on voit pour les points d'influence en fin de partie. C'est one shot et immédiat l'effet Ouais, de. c'est alors ce sont tous des effets à usage unique. Donc D'accord. oui, à partir du moment où je le retourne, j'applique l'effet et je ne pourrai pas le réutiliser par la suite. On va avoir ici, sur la zone de stockage, on voit sur les emplacements de stockage qu'il y a des petites icônes qui sont connectées à des cases spécifiques. Et c'est absolument asymétrique. Oui, Là, tout par à exemple, mon fait. personnage, c'est le diplomate, c'est ça, mon jeu? Diplomate, oui, tout à fait. Lui, il peut stocker que 4 marchandises. C'est ça, lui, il peut stocker que 4 marchandises. Et ça, c'est les Alors, les collections que petites tu disais. icônes en bas, oui, qui doit commencer par la longue vue. Ouais, c'est ça. Donc, à un moment, je peux utiliser ces effets-là. La condition, c'est d'avoir un cube sur la petite case de stockage qui est connectée. Donc là, je pourrais utiliser cet effet-là, qui est un effet de longue vue. Pour montrer que j'ai utilisé, je prends mon petit jeton de couleur, hein, on aura chacun des petits jetons de couleur, que je vais poser dessus pour verrouiller l'effet. Je ne pourrais pas le réutiliser. L'effet de l'espionnage, donc que tu as aussi sur ton diplomate, Ouais. est un effet très important dans le jeu parce qu'il va permettre d'aller regarder ce qu'il y a sous un jeton qu'on voit. D'où l'intérêt, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des points négatifs sous les jetons de couleur bleue, les convois bleus. En fait, on a les petits convois sous lesquels on a des bonus. Ces petits convois, c'est ceux de couleur jaune. Et les convois escortés, ce sont ceux de couleur bleue, sous lesquels il y a des doubles bonus qui sont beaucoup plus forts, mais il peut y avoir du négatif. Donc, forcément, quand on va se déplacer sur une tuile où il y a un jeton convoi de couleur bleue, on va essayer de savoir ce qu'il y a en dessous. Là où c'est plus vicieux aussi, c'est que des fois, nous, on sait ce qu'il y a. Et le joueur adverse ne sait pas ce qu'il y a. Par exemple, si là je sais que c'est du négatif, je vais faire en sorte d'inciter, d'influencer le déplacement d'un joueur adverse vers ce jeton-là. Okay. Okay. C'est assez Bon, vicieux. on retrouve encore l'idée du jeu abstrait, quoi. Tout à fait. Oui, donc là j'ai pu activer l'effet d'espionnage. Ouais. Autre effet lié justement à la zone de stockage, c'est qu'à n'importe quel moment pendant mon tour de jeu, je vais pouvoir déplacer un cube de ma zone de stockage pour aller activer des cases de connexion que j'ai créées. Par exemple, là, je pourrais dire, ben, hop, je vais mettre celui-là ici. Je sais qu'en fin de partie, ça me permettra de marquer 3 points d'influence en plus. Et en plus, ça me permet de récupérer un jeton de combat. Okay, un jeton d'attaque que je vais expliquer par la suite. Je pourrais dire de suite, je reprends un cube ici de ma zone de stockage que je vais mettre là. Ce qui fait qu'en fin de partie, je vais marquer 2 points d'influence en plus. Et là, ça me permet de reprendre un cube artefact dans la réserve. Je vais pouvoir stocker. Voilà, il y a vraiment un effet de combo sur comment on active les différents effets de jeu, et à quel moment. Voilà, il n'y a pas d'ordre imposé. On utilise autant d'effets qu'on veut au moment qu'on le souhaite, au fil de la partie. Derniers effets de jeu que je peux activer, ils sont liés aux pions recrues, ces pions de couleur blanche. On a des petites indications marquées en dessous. Si à un moment je défausse un pion recrue, je vais venir le mettre dans la guilde, dans les emplacements transparents. Voilà. Et le fait d'en défausser un va me permettre soit de faire un effet d'espionnage, soit la carte avec le x4, ça veut dire que je vais défausser les cartes restantes dans la zone de recrutement et je vais en remettre de nouvelles. OK? Enfin, je vais en remettre 4 nouvelles. Je pourrais défausser 2 pions recrues. Ici, le fait de défausser 2 pions recrues va me permettre soit de déclencher un effet de tempête de sable, soit de récupérer à nouveau un cube artefact dans la réserve. OK? L'iconographie est très bien faite du jeu. Il y a une bonne, OK. ouais, franchement, une bonne ergonomie et les symboles sont très clairs et tout. C'est bien travaillé en tout cas. OK. Ben, on a travaillé là-dessus avec quelqu'un qui travaille dans la com, enfin quelqu'un de la famille d'ailleurs qui travaille dans D'accord. la com. Et qui est dans une agence de communication. Ouais, donc du coup, tout ce qui est symbole, tout ce qui est. Voilà.
Alors, qui sont parlants. sa spécialité, ce n'est pas forcément Ouais. le milieu du jeu de société. Donc, il y a des Ouais. références qu'il n'y a pas. Donc, ça a été un travail en Ouais, vous commun avez quand même. dû rajuster Mais voilà, certains. c'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Encore un travail d'équipe, quoi. Ouais, tout à fait. Oui, c'est ça. C'est surtout du travail d'équipe. Donc, voilà. Donc, les effets de jeu qu'on va activer à n'importe quel moment pendant notre tour de jeu. Maintenant, je vais revenir sur les effets de, on peut, les effets qui, enfin, ce qui va pouvoir se dérouler à certains moments dans le jeu, c'est-à-dire que ces effets de blocage ou qui vont faire perdre le tour d'un joueur. C'est-à-dire que, par exemple, si ça vient à moi de jouer, au début de mon tour, que je suis dans ce cas de figure-là, j'ai normalement, obligatoirement, ma première action, ça va être de me déplacer. Sauf que là, je ne peux pas, la tuile est bloquée, et là, je ne peux pas, parce que j'ai un chameau qui est sur le désert, donc je ne peux pas placer. En temps normal, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je perds mon tour. Je vais me déplacer soit dans la guilde, soit sur une tuile oasis. Okay, c'est moi qui choisis où est-ce que je vais. Vu que je n'ai pas pu me déplacer normalement, je ne peux pas collecter et je finis mon tour simplement en déplaçant la guilde. Okay. Maintenant, l'intérêt de certains effets de jeu, comme par exemple la tempête de sable, c'est que dans ce cas de figure-là, j'aurais pu dire, ah ben, avec la tempête de sable, avant de démarrer mon tour, donc avant de faire mon action de déplacement, j'aurais pu dire, ah ben, le chameau guilde, je vais le mettre là-bas. J'utilise l'effet tempête de sable et maintenant je peux faire mon tour normalement, me déplacer, collecter, etc. Tout comme j'aurais pu dire, ben c'est mon chameau à moi que je vais déplacer avec la tempête de sable et maintenant je fais mon action là. Je me déplace, je collecte, je déplace la guilde. Maintenant, il y a un effet de jeu qui est l'attaque. D'accord. Cet effet-là va permettre, en fait, enfin, je vais pouvoir récupérer ces types de jetons soit quand j'active sur les cartes ou on en a des fois sous certains jetons qu'on voit. Ça va me permettre de sortir aussi de situations de blocage comme ça, mais bon, ben forcément, c'est une attaque, donc ça va être un peu plus offensif. Je vais pouvoir déclencher une attaque, soit à partir de mon propre chameau contre un chameau adjacent, soit à partir d'un chameau guilde contre un chameau qui lui est adjacent. Okay? Voire même, je vais pouvoir détruire des jetons qu'on voit, qui sont négatifs. Ça peut avoir un impact sur la durée de jeu, justement, réduire la durée de jeu, mais bon, ça, on y reviendra. Par exemple, là, j'aurais pu dire, j'utilise mon jeton d'attaque, je défausse mon jeton d'attaque pour attaquer le chameau guilde. Et le chameau guilde, là, c'est moi qui vais choisir si je le déplace, comme dans un cas de blocage, vers la tuile guilde ou vers la tuile oasis. À savoir que, par contre, quand on est dans la guilde, on est à l'abri, on ne peut pas être attaqué. Okay, j'aurais pas pu attaquer quelqu'un qui se situait dans la guilde. Okay. Si jamais, à l'inverse, je disais, à partir du chameau guilde, j'attaque ce chameau joueur, c'est le joueur que j'ai attaqué qui va choisir s'il va à l'abri dans la guilde ou dans un oasis. Mais en plus de ça, ce qui va se passer, c'est que le joueur que j'ai attaqué va perdre une ressource de sa zone de stockage ici. Ressource qui va se retrouver hop, dans la guilde s'il y a de la place, sinon ça ira dans la réserve de cube artefact. Okay. Si jamais, et là c'est un peu plus punitif, si jamais le joueur que j'attaque n'a pas de ressources dans sa zone de stockage, je vais pouvoir attaquer directement les cubes qu'il a sur ses cartes connectées. Donc là, je pourrais dire, ah ben, je décide de lui faire perdre ce cube-là, vu que là, il n'y a pas de place, hop, ça va dans la réserve. Mon jeton d'attaque, je le passe sur la phase verrouillage, et je viens verrouiller définitivement cette connexion-là. C'est-à-dire que là, il bénéficiera plus de ses points sur cette connexion-là en fin de partie. Les ressources que tu as installées là, elles repopent quand on les prend, elles reviennent Non. ou Non, ça non, c'est non, non, quand c'est c'est... limité? Ouais. Alors, il y a un certain nombre de ressources en fonction du nombre de joueurs. Hein, il y a des Voilà, ressources c'est ce que j'allais te qu'on demander. rajoute en plus. Après, c'est quand on va défausser des pions recrues, ils vont venir ici, dans cette zone-là. Après, à partir du moment où il n'y a plus de place pour les accueillir, par contre, ils vont être défaussés définitivement du jeu. Ça va limiter les capacités de recrutement. Et ici, les cubes artefacts, à chaque fois qu'on va attaquer un joueur, les cubes vont revenir ici. Après, tu vas avoir des ressources qui vont être générées par les cartes, ben comme là, comme le cas de cette carte-là, qui m'a permis d'aller récupérer une ressource, de récupérer un cube. Voilà, des ressources, on peut en générer via ces cartes-là, quoi. Via les cartes recrues. Qu'est-ce que je disais? Oui, sur l'attaque. Donc, on peut attaquer soit à partir d'un chameau guilde, soit à partir de notre pop chameau. On peut attaquer justement un chameau guilde, un chameau joueur, mais on peut aussi attaquer un jeton qu'on voit. Par exemple, cas de figure. Admettons qu'on soit dans ce cas de figure-là. Hop. Je suis ici. Je pourrais. Enfin, là, je ne peux pas me déplacer de ce côté-là. Je ne peux pas me déplacer de ce côté-là. J'ai un jeton d'attaque. Je peux défausser mon jeton d'attaque pour détruire
un jeton convoi. J'aurais pu l'utiliser aussi pour attaquer les chamans guildes, évidemment, mais c'était peut-être plus intéressant pour moi de faire ça. Du fait d'utiliser ce jeton d'attaque, je défausse le jeton convoi. Je vais retourner immédiatement, vu qu'il n'y a plus de ressources dessus, la tuile sur sa face désert. Et après, je peux faire mon action de déplacement, où je pourrais m'arrêter là, ou aller même jusqu'à la prochaine tuile. Voilà. La partie va continuer comme ça en fonction du nombre de joueurs, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que, alors de 3 à 4 joueurs, c'est jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que 6 tuiles avec des ressources, 7 en comptant la guilde. À 1 et 2 joueurs, ça va être 8 tuiles, 9 en comptant la guilde, avec des ressources, quoi. On finit le tour jusqu'à revenir au premier joueur, de façon à ce que tout le monde ait joué le même nombre de tours, et après on passe au décompte des points. Et la durée d'une partie, La c'est durée d'une combien? partie, 45 minutes à peu près. D'accord. Alors, peut-être pour des gens qui débutent, ils mettront peut-être un peu plus de temps, le temps de se familiariser un petit peu avec les effets. Ouais, En fait, c'est un jeu qui est, il n'est pas évident à prendre en main dès la première partie parce qu'il y a pas mal de petites subtilités sur les moments où on va utiliser les effets, etc. Ça nécessite quand même de faire deux, trois parties pour, voilà, pour le maîtriser. T'as des personnages que tu préconises pour démarrer ou ils sont tous à peu près d'un niveau Alors, équivalent? généralement, en mode sur des premières parties, nous on recommande justement l'explorateur, alors qui lui n'a pas Explorateur. de façon de scorer supplémentaire, mais par contre, l'explorateur, lui, a droit à un double déplacement. Je dis bien, il a droit, c'est pas obligatoire. Donc, je pourrais faire soit en temps normal juste un déplacement et collecter, tout comme je pourrais faire un, deux, et je collecte. Donc, il est beaucoup plus difficile à bloquer aussi, voilà, tu vas moins le gêner dans son déplacement. On joue aussi avec le brigand. Sur des parties d'initiation, le brigand qui lui va scorer en fonction des duos jeton convoi et cube artefact, c'est-à-dire que là, ça lui rapportera un point, ça rapportera un point. Le marchand et après le Le diplomate. diplomate. On a deux autres personnages qui sont le trafiquant et l'espionne, où le trafiquant, lui, il va plus scorer sur les cubes artefacts qu'il va récupérer, mais aussi sur les attaques, c'est-à-dire le duo cube artefact et effet d'attaque. Et on a l'espionne qui, elle, va plus scorer justement sur les effets d'espionnage qu'elle va utiliser au fur et à mesure de la partie. Mais ces deux-là, généralement, ils sont un peu plus complexes à maîtriser. Donc, on ne les propose pas sur des parties découvertes, quoi. Voilà. On est vraiment sur le brigand, l'explorateur, le marchand et la diplomate. C'est quoi ton personnage préféré? Mon personnage préféré, bon, en fait, j'ai pas forcément de personnage préféré. Si à une époque, j'aimais bien l'explorateur. Parce que, ben, il faut créer sa façon de scorer au fur et à mesure, même s'il est assez mobile. Après, on a eu des retours, il y en a qui trouvaient ce personnage trop puissant. Ben, en fait, moi, quand je joue avec des joueurs qui connaissent bien Sawari, qui maîtrisent le jeu, je prends pas l'explorateur parce que justement, un joueur qui connaît le jeu va m'empêcher de scorer, quoi. Donc, Ouais, du coup, tu adaptes les personnages en fonction de l'expertise voilà, des c'est gens et tout, ça. c'est C'est intéressant. ça, c'est ça. Alors, ce que j'ai pas précisé, c'est que le jeu est disponible sur Board Game Arena. Il est en accès Ah, sur tu Board viens Game de dire, Arena, moi sur la V2, je suis, j'ai justement. pas Voilà. fait attention à ça, mais Alors, il n'y a pas le mode solo, mais il d'accord. est. Ouais. Donc, Sawari, on peut jouer sur déjà, c'est Tout bien de à le fait. préciser, ouais. Comme Tout à ça, fait, on tout à pourra fait. tester Ouais. également. Et de toute façon, pour ceux qui veulent, ils pourront tester la boutique aussi, hein, évidemment. Je t'appelle, tu viens le faire tester si Bah jamais j'ai un ouais. client. Une demi-heure après, 7 jours sur 7, je t'appelle, tu viens. Ok, est-ce que c'est envisageable ou est-ce que c'est envisagé déjà de nouveaux personnages ou des petits modules en plus, de Alors, développer un peu le jeu? oui, c'est envisagé. On avait commencé à y réfléchir, mais bah après, c'est toujours pareil. Ça dépend de l'implantation du jeu, parce que faire enfin, pas une variante, une extension dessus, ça va dépendre de l'implantation du jeu sur le marché aussi, quoi. Et du Voilà. coup, en tant qu'éditeur, on peut parler de ça aussi au niveau finance, le fait de faire éditer le jeu, de mettre de l'argent quand on est un petit éditeur et tout ça, c'est quand même un marché complexe. Ah oui, Tu t'es mis oui. en danger financièrement aussi. Alors en C'est danger, comment ça s'est passé? je sais pas si on peut dire en danger, mais forcément, c'est pas évident. Hein. Ouais, c'est investissant. Ne serait-ce qu'au début, quand on démarre, ben, on pense qu'il n'y a que le coût de fabrication sur un jeu, mais non. Si tu veux gagner en visibilité, en identité, etc. Il faut vraiment déjà se faire connaître, donc il faut être présent sur des événements, il faut être présent sur les réseaux, il faut passer par des supports, par différents supports de communication ludique, quoi. Enfin, Ouais, l'investissement temps en plus de l'investissement tant, argent, ben, quoi. tant et ben, argent, parce que la com, ça coûte de l'argent, hein. Ouais.
le moindre déplacement et tout ça, c'est les budgets, quoi. C'est voilà. Ça. Donc ça chiffre très vite. Donc bon, nous pour le moment, hein, on n'est pas rentable à l'heure actuelle. C'est pas rentable. Ça, tout va dépendre après d'une potentielle implantation sur un marché à l'étranger. Tout va dépendre aussi des jeux qui vont suivre, parce que bah, tu peux pas vivre que sur un seul jeu. C'est pas possible. C'est totalement utopique. Il faut avoir une gamme de produits. Hein, regarde, si tu devais vendre que du Uno, est-ce que tu aurais une vie? Non, Là, je... Ah, un petit kiosque! c'est un Un petit kiosque à côté petit de kiosque. toi. Oh, bien sûr. Et au niveau de la production du jeu, c'est toi qui as suivi du prototype jusqu'à la version finale. Ça a été assez dur, Alors, ça. oui, bah, après, on apprend sur le tas, mais on a très bien été conseillé, en fait. On a été accompagné par Guillaume de Ori Games, un des patrons d'Ori Games, justement, Oh, ça. qui est une source de savoir infinie sur la fabrication des jeux et sur tout. Donc, il nous a très bien conseillé aussi à ce niveau-là. Ah, c'est Donc, oui, ça, c'est bienvenu quand on démarre, parce que sûr. bah, forcément, enfin, moi, j'ai un profil, on va dire, de gestionnaire de projet, c'est-à-dire que je suis un touche-à-tout, mais des fois, pour avoir des connaissances plus spécifiques, c'est compliqué. Il faut savoir où aller chercher les infos, et ça fait partie des avantages aussi de connaître des gens dans le monde du jeu, quoi. Alors, pas Des gens tout dans qui faire c'est seul. métier. Et c'est un milieu quand même bienveillant, parce que c'est Alors, oui, de manière générale, ça change parce que ça devient de plus en plus, ben, malgré le plus fait en qu'il plus y ait gros. de plus en plus gros, voilà, c'est ça. Donc, ouais, C'est que moins ben, familial. forcément, suivant la place qu'on occupe, il y a possibilité de se faire de l'argent, même s'il y en a qui ne le diront pas, mais il y en a qui tirent très bien leur épingle du jeu. Le problème, c'est qu'il y a pas on arrive à un stade où il n'y a pas la place pour tout le monde. Ça revient à, on arrive à un marché qui est très saturé en termes de place en tant qu'éditeur, quoi. Il y a beaucoup de petites PME. Moi, je vois par rapport à la gamme que j'ai presque 1000 références, ça représente 200 PME, quoi. C'est vrai que ça fait beaucoup de petites entités, quoi. Tout à fait. Bon, bah, on te souhaite de bien On t'implanter y sur la croit, on salle y de croit. On a boutique. plein de beaux projets qui arrivent derrière. Alors, je dis, voilà, c'est le métier de l'entreprise, hein. Donc, Ouais, c'est c'est loin le d'être risque, mais c'est simple. excitant. Mais oui, si on continue, c'est qu'on sait qu'il y a de quoi faire, quoi. Voilà. Bon, bah, C'est c'est. juste que c'est comme n'importe quel projet, c'est toujours compliqué, mais il faut s'accrocher, quoi. Voilà, L'entrepreneuriat faut en y croire. France, ouais, c'est faut s'accrocher. Bon, bah, ça Ouais, fait tout cool, à en tout fait. cas. Bah, en tout cas, ton témoignage est vachement intéressant, la vision de l'éditeur et tout ce que tu fais autour du jeu. Et ton jeu donne vraiment envie de jouer, donc je pense qu'on va se faire une petite partie. Bon, là, je pense qu'on n'aura pas le temps parce que moi, bon, dans 20 minutes, je dois ouvrir la boutique. Mais de toute façon, on pourra voir la vidéo aussi sur YouTube. OK. Du coup, tu pourras partager aussi auprès de tes partenaires sur la diffusion du jeu pour être encore plus implanté dans d'autres boutiques. C'est ça. Ouais, j'espère que je contribuerai aussi. De toute façon, il sera implanté aussi à Je Partage, donc vous pourrez y jouer à la boutique et on va suivre les différents projets, jeux de rôle et autres, parce que ça, c'est vrai que c'est excitant ce côté développer l'univers. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, moi. Le jeu de rôle et tout ce qui est narratif, univers développé. Donc là, tu as une approche qui donne envie de suivre. Ton entreprise, Joudini, c'est bien ça? Joudini Joudini. Édition. Ok, Flo. Impeccable. Est-ce que t'as d'autres, on a d'autres choses à voir sur le jeu? Non, on a fait le On a été complet là? tour. Oui, on a fait le tour de la mécanique. De toute Nickel. façon, voilà. Après, il y a toutes les informations sur le site. Voilà, il y a une vidéo règle aussi qui Ok. réexplique enfin, ce que j'ai expliqué là. Enfin, il y a Bon, tout. bah, parfait. Puis, il ne faut pas hésiter voilà, à envoyer un mail quand il y a des questions ou quoi que ce soit. Ouais, nickel. Et puis je ferai le lien aussi si jamais il y a des questions de la communauté ou peut-être sur YouTube il y aura d'autres questions. Donc c'est cool. Merci Florent pour ta présentation. On te souhaite tout le succès à ton entreprise. Ah si, justement, j'ai Ah, oublié un il y a un petit autre truc. détail. Et Oui, 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 oui. c'est qu'en T'as plus, une en parlant exclue de développement, non, peut-être? on peut dire exclu, oui, mais quand on fait le développement de chaque jeu, je vais me faire taper sur les doigts si je parle pas de ça, parce que Ah non. voilà, On va éviter. c'est que dans chaque jeu qu'on va sortir, il y a à chaque fois une nouvelle. Ah, Qui permet de découvrir l'univers. Donc là, c'est bah, dans chouette. Sawari, on a les extraits de voyage de Kaël le Marchand, justement, qui est ce personnage-là, qui permet de découvrir un peu l'univers au moment où, enfin, où le jeu se déroule.
Pareil, dans Irkalla, donc celui dont je parlais, avec ce système de cartes, etc., il y aura une nouvelle aussi qui permet de comprendre quels sont ces lieux dans lesquels il y a cette exploration, enfin, dans lesquels les joueurs sont coincés, etc. Enfin, il y a pas mal de petits trucs à découvrir au fur et à mesure sur l'univers du jeu. C'est chouette ça. Et ouais. Voilà, c'est juste que voilà. Il y a un petit peu de lecture, il y a un petit peu de lecture dans les boîtes. Bon, moi je suis sensible aux figurines, peut-être qu'un jour tu auras un jeu avec des figurines Ah à peindre. ben oui, ça serait très volontiers. On y pense, mais après il faut trouver la mécanique originale, et ça c'est le plus compliqué, quoi. Ouais, c'est sûr. Faire un jeu de figurines juste pour se faire plaisir, ben, faut faire du KS éventuellement, Ouais, là c'est mais encore un autre. c'est encore un autre sujet. Et du coup, en parlant de financement participatif, ce système en fait de production, tu l'as envisagé au début de la création de ta société? Alors, le KS, j'ai toujours dit non, je ne suis pas pour le KS. En fait, pour une raison spécifique, c'est que ça demande beaucoup d'énergie, selon moi, et vraiment des compétences de quelqu'un qui a déjà fait ça, enfin, quelqu'un qui maîtrise un KS. Il faut avoir une communauté derrière, donc créer une communauté, et il faut, enfin, ça demande, c'est un vrai travail de communicant, quoi. C'est pas juste, il faut pas être juste community manager, c'est vraiment, faut savoir. Enfin, c'est un métier de toute façon à l'heure actuelle, hein. Il y en a qui proposent ça en freelance, où il y a des gens dans le milieu du jeu dont c'est l'activité principale. Donc voilà. D'accord. Donc j'ai beau être passionné par la gestion de projet de manière générale, un KS, je ne prendrai pas le risque, moi, de le faire. D'accord. Même à l'heure actuelle, en commençant à avoir un peu de visibilité en tant que nouvel éditeur, etc., il faut avoir une belle communauté derrière, quoi, je pense. Bon, on verra au gré de tes rencontres. Et tu C'est as fait de ça, belles c'est rencontres dans ça, le milieu qui t'a permis c'est d'être ça. là. Donc, peut-être tu vas faire d'autres belles rencontres. Bon, ben, nickel. Ben, en tout cas, je te remercie pour avoir pris du temps pour la chaîne d'être Bah venu. avec plaisir, merci pour l'accueil. Ben, je t'en prie, c'est avec plaisir. On va mettre fin à la vidéo là et puis on va se boire un petit café tranquille, hein, pour Parfait. discuter jeu, vu qu'on est entre passionnés. Donc, on va profiter. Évidemment, on fera tourner le jeu Sawari en boutique. Ça, je vous le promets. Et puis, n'hésitez pas à voir sur YouTube la vidéo de ce jeu. Si vous avez d'autres questions, ben, on est en direct avec Flo, on pourra répondre à vos questions. Avec plaisir. Voilà. Eh ben, écoute, je te remercie encore. Je te souhaite bon vent pour la suite de tes projets. De toute façon, on va rester en contact sur les futurs projets. Comme ça, on informera la communauté de ce que tu vas faire après, quoi. Carrément. Donc, on a bien senti que tu étais passionné, que tu avais envie de faire de belles choses autour du jeu. Donc, on va suivre ça avec attention. Je vais dire au revoir à tout le monde. Salut. Et puis, nous, on va se boire le petit café. Merci, Flo. À bientôt.